pour le dernier match, on a l'occasion de prendre la troisième place. Salut l'équipe, on est mercredi et je file à l'entraînement et regardez la météo depuis ce matin, il neige. Donc voilà, aujourd'hui on va aller s'entraîner sous une bulle, pas sur notre terrain vu les conditions climatiques. Je file avec mon vélo, je vais essayer de pas tomber mais ça va être bien casse-gueule. Ok les gars, bien arrivé au stade et regardez l'état du terrain au moment où je vous parle. Vous comprenez mieux pourquoi on va pas aller jouer ici aujourd'hui, mais donc sur notre terrain couvert. Je vais vous montrer ça. Personnellement, les terrains couverts, j'ai découvert ça en Finlande. C'est des stades en fait avec des espèces de grosses bulles qui protègent et ça permet de jouer à l'intérieur quand il neige comme ça. Bien arrivé les gars au terrain couvert. C'est donc à Santa Sport. Regardez à quoi ça ressemble de l'extérieur. Kitos. C'est pas mal, hein ? Salut l'équipe, on est jeudi soir, on vient de finir l'entraînement. Une nouvelle fois, on s'est entraîné sous le dôme, puisque regardez la météo, je vous montre vite fait. Ça n'a pas changé ici, il continue de neiger, l'hiver arrive déjà. Donc voilà, entraînement terminé. Et cette semaine, c'était une semaine courte d'entraînement, puisqu'on joue samedi. Et que dès demain, vendredi, on prend le bus pour aller à Lahti, puisqu'on va donc affronter cette équipe de Lahden Reipas. C'est l'équipe qui a été tirée au sort, qui a terminé 4e du groupe A. Une équipe historique finlandaise, puisque c'est là que Jari Litmanen a commencé sa carrière. D'ailleurs, j'ai déjà joué là-bas en match de pré-saison avec mes anciennes équipes. Il y a une statue de Jari Litmanen devant leur stade, etc. Donc c'est un club assez historique qui depuis... un peu chuté dans les divisions, mais ça devrait être un match qui s'annonce prometteur, avec une bonne équipe à jouer en face de nous. Demain, on a un très long voyage, puisqu'on part à 8h de Rovaniemi, et on arrive aux alentours de 18h30, 19h, donc plus de 10 heures de voyage. Donc ça va être très très long. Heureusement, on dort à l'hôtel pour se reposer et pour pouvoir avoir les jambes fraîches pour le match, qui va se jouer assez tôt samedi vers 13h. C'est quand même bien plus au sud que Rovaniemi, c'est pas très loin d'Helsinki, donc a priori, il n'y aura pas de neige, il fera juste froid. Voilà, donc match aller samedi chez eux à Lahti, match retour samedi suivant chez nous à Rovaniemi. Ça va se jouer en match donc aller-retour. Les buts à l'extérieur ne comptent pas double. Si jamais il y a égalité au terme des deux matchs, on va jouer une prolongation 2 fois 15 minutes et ensuite le tir au but. Donc bon, j'espère qu'on en arrivera pas là. Si on pouvait se qualifier avant, ça serait bien. La bonne nouvelle, c'est que samedi, je serai titulaire dans les 3 de devant, donc dans ce rôle qui m'a bien plu cette saison. Donc ça fait plaisir d'être aligné pour ce match qui compte. C'est clairement le match le plus important de la saison avec le match retour aussi. Et j'en fais partie, donc c'est une bonne reconnaissance de la part du coach. Va falloir faire le boulot là-bas. On se retrouve demain l'équipe avec des images du voyage. Salut l'équipe, c'est parti pour le dernier déplacement de la saison. Le plus long, puisqu'il va durer plus de 10 heures celui-ci. Il est maintenant 8h du mat, on va arriver ce soir vers 19h. Pour ceux qui s'inquiétaient dans les commentaires, rassurez-vous, il est bien là, le buteur, juste derrière moi. Regardez-moi ça les gars, petite pause dans ce trajet interminable pour faire une petite marche et se dégourdir un peu les jambes. Et regardez, franchement c'est magnifique. Rien à voir avec Rovaniemi où on se croyait déjà en hiver. Ici c'est encore l'automne avec les arbres un peu orangés. Ouais, c'est super beau. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'on a fait un retour dans le temps là. Là il fait encore bon, il fait pas froid. Franchement c'est trop agréable. Ah, enfin arrivé les amis, le plus long voyage de l'année. Plus de 10 heures, j'en peux plus. Regardez, c'est un espèce de grand centre sportif ici, avec une piscine, où on va notamment aller tout de suite, je crois, avec l'équipe. Et là, il y a un grand dôme. Et voilà, l'hôtel.
Hop là. Regardez-moi ça. C'est pas mal. Les amis, bien arrivés dans la chambre et regardez de qui j'ai hérité. C'est pas moi qui fais les chambres, hein, c'est le coach. Ils m'ont foutu avec classe. Par contre, ça c'est mon lit européen. Okay. That's my bed. Ça c'est my bed. On est aussi avec Tino, le gardien, mais il est aux toilettes. Les amis, c'est parti pour la piscine. Voilà les gars, à quoi ça ressemble. Voilà les gars, on est ici au spa. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais profiter. Les amis, petite session natation et spa terminée. C'est l'heure du snack avant de filer dans notre chambre. Voilà. Salut équipe, jour de match, ça y est, on y est. C'est enfin le jour du playoff, tant attendu. Match aller. Voilà, on a déjà allé prendre le petit déj ce matin, on a bien dormi. Là, on se dirige vers le bus qui va nous emmener au stade. Il est 10h45. On joue tôt aujourd'hui, on joue à 13h. Un petit mot sur l'arbitre de cette rencontre, puisque c'est une arbitre, donc c'est une femme qui a plutôt un joli CV, puisqu'elle était notamment à la dernière Coupe du Monde féminine et elle a déjà arbitré aussi des matchs de Ligue des Champions, etc. A priori, ça devrait être une bonne arbitre sur le terrain aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. La dernière fois que j'ai eu une femme arbitre, c'était lors du match de coupe où j'avais pris un carton rouge. Et honnêtement, je trouve qu'elle n'était pas très bonne arbitre. Donc j'espère que ça se passera mieux cette fois-ci. On se retrouve sur le terrain de l'Ati. C'est pas très beau aussi. Bon les gars, comme je vous ai dit, c'est l'ancien club de Jari Litmanen ici. Et regardez à l'entrée des vestiaires. Il est là. Ils lui ont mis le drapeau même du club. Heureusement, il va pas jouer aujourd'hui. Et voilà donc le stade du jour. Il est plutôt grand. Avec deux bonnes tribunes. Normalement, il devrait y avoir du monde. Et voilà, avec ce petit bâtiment rose derrière. Pour ce qui est des conditions, par rapport à Rovaniemi, c'est beaucoup mieux. Pas de neige, une petite pluie fine. Mais franchement, pour jouer au foot, je pense que c'est un bon temps. Et leur terrain, en fait, il me rappelle un peu le nôtre. C'est un synthétique avec beaucoup trop de binoirs. Et comme vous pouvez le voir en fond, ce grand saut à ski là-bas, olympique. Hi guys, this is Luke Ilola, son of Jari Ilola, Finnish legend. Luke who has scored last week, you've seen that in the highlights. And he's with us with the biggest game of the season. Luke, how do you feel? I feel great. So good. Good game coming in. Looking forward. You're happy to be here with us? Yes, very happy. We're happy to have you. Thank you. L'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. Et cette fois, je le pense vraiment, je le pense toujours, mais là encore un peu plus, en espérant un résultat positif à l'issue de ce match. Bon match l'équipe.
Les amis, on a gagné. Et pas de célébration malheureusement, puisque ce n'est que la moitié du chemin qui a été faite. J'aurais aimé crier là, mais bon. Et personnellement, j'ai mis un but de malade. Les gars, je peux pas partir d'ici sans prendre un petit selfie avec le grand Yari. Tu m'as donné de la force aujourd'hui pour marquer. Merci Yari. Allez, on y va. On retrouve Lati la semaine prochaine, les gars. Ça va être
très tendu, puisque là on a gagné donc 3-2. On gagnait 1-0 à la mi-temps, dans une mi-temps où on était ultra dominé, mais on a réussi à marquer sur penalty, sur une action bien menée. Et derrière on défendait comme des chiens. Ensuite, ils marquent très tôt, malheureusement, en deuxième période. Ils arrivent à égaliser. Ça met un gros coup au moral parce qu'ils poussaient fort avec leurs supporters et tout. Et derrière, je marque le but du 2-1. Superbe but. Franchement, c'est énorme. La sensation indescriptible. C'était incroyable de marquer. J'ai couru vers le banc pour célébrer avec tout le monde et tout. C'était trop bien. Et derrière, il y a Thomas, notre attaquant, qui a mal au dos depuis toute la saison, en fait. Et là, je vais le voir, on a un coup franc. Je lui dis, Thomas, comment ça va ton dos? Il me dit, c'est mort là, je vais sortir. Je lui dis, attends, d'abord tu marques, après tu sors. Il fait, ok. Le coup franc est tiré, il met sa tête, il marque. Derrière, il sort. Incroyable. 3-1 pour nous. Et derrière, ils arrivent à revenir à 3-2. Ils poussent jusqu'à la fin. Apo, notre troisième attaquant qui est rentré en cours de match, fait un sauvetage sur la ligne, sur corner de la tête. Exceptionnel, vraiment, ça vaut un but. Mais donc voilà, score final 3-2. Retour la semaine prochaine à Rovaniemi. Et ça va être très très tendu, les gars. Mais on a fait la moitié du job. Il va falloir continuer la semaine prochaine. Il fera très froid. Et maintenant, on part pour un retour qui va s'annoncer très long avec à peu près 10 heures de route. Donc retour prévu à Rovaniemi aux alentours de 1h30 du matin, les gars. Ah ouais, regardez ça. Il a fait un temps de chien tout le match. Il pleuvait des cordes, il faisait froid. Et là, regardez maintenant que c'est fini. Le soleil qui se lève. L'équipe, il est 2h du matin. On vient enfin de rentrer à la maison après donc le dernier voyage de la saison, le plus long. Heureusement qu'on est revenu avec la victoire, personnellement avec ce but. Ça permet de faire passer le voyage un peu mieux. Franchement, c'était un week-end très positif, mais on n'est qu'à la moitié du chemin. La semaine prochaine, il va falloir donc remettre le couvert à la maison cette fois-ci. Et regardez-moi ça, comme vous le voyez, les conditions ici. Il y a à peu près 15 cm de neige sur la pelouse, il y a de la neige partout. Donc ça va être vraiment des conditions particulières. Personnellement, j'ai pas du tout l'habitude de jouer sous la neige. Mais donc voilà la situation, l'équipe. Un match nul ou une victoire. Et on sera donc promu en Ukonen dans la division supérieure l'année prochaine. On est en ballotage favorable et j'espère qu'on va le faire ensemble, l'équipe. En attendant, continuez à vous abonner, l'équipe. Vous êtes abonnés en masse suite à ces dernières vidéos ou depuis que je n'ai plus de travail. Merci beaucoup pour toute cette force. Et on est tout proche des 10 000. J'espère qu'on va réussir à atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de cette série. Je compte sur vous, l'équipe. À la semaine prochaine. On y est. C'est enfin le jour J, le jour du match retour de ces playoffs.